Mesdames et messieurs, membres du jury, amis choristes des groupes ce soir ici présents, bonsoir à toutes et à tous de la part du Chœur Saint-Ours d'Ost et de son directeur Angelo Filippini. C'est toujours un plaisir de se retrouver ici au Théâtre Splendor pour prendre part à ce rendez-vous important pour la choralité valdôtaine. Pour notre groupe ce soir en plus, c'est une soirée particulière car nous avons un nouveau choriste qui vient renforcer les voix des basses. C'est donc avec un message d'encouragement et un applaudissement que nous accueillons Sandro Glarey d'Aimaville. Connu aussi avec le titre « La bergère des Aravis », le premier chant au programme ce soir célèbre l'amour pur, sublime et magique. Il n'y a rien que puisse valoir autant que l'amour, autant que la proximité et surtout autant que les yeux de la personne qu'on aime. Pour former la plus belle des symphonies, afin de faire frémir les cordes les plus sensibles qui sont en nous tous, c'est principalement, à juste titre, par le regard que la syntonie des émotions peut transformer un instant ordinaire dans un moment à ne plus oublier. D'Anonyme, harmonisation de Gianni Malatesta, dédiée à tous les amoureux, les plaisirs sont doux.
quando nella nostra vita accadono episodi che in qualche modo possono turbarci, ecco che anche il semplice volo di una rondine può infastidirci. Volo di una rondine che è simbolo di leggerezza, di gioia, di serenità. E allora nasce quasi spontanea una supplica, una preghiera alla rondine affinché si avvicini, venga alla nostra finestra per poterle chiedere quasi in sottovoce di andare altrove, lontana, per cantare i suoi amori, perché ora il nostro cuore non può apprezzarne la bellezza. Di Vasseur, armonizzazione di Angelo Mazza, che questa sera ricordiamo a 5 mesi esatti dalla sua scomparsa, o i rondelle. À l'origine, la Zanron que nous entendons lit en poésie. L'auteur est Lucie Deano de Saint-Maurin, que la décrit très bien le moment du coucher du soleil, quand le dernier rayon font luire le liachis de la montagne. La donne que accoute et tord lit, et c'est un qui peut mille gris santé, après tout un crêpe les teupes. Et la donne, il moment que c'est un lit dans lit. Un amour qui a resté pour moi à conchaille dans son cœur, m'a dit santé, santé à tout. L'amour peut la natte pitoppa comme peut la lumière di zor. L'amour peut l'ouvre qui nous caisse comme peut le zigi qui volappe. L'amour peut la vie et peut qui ta vie la fa pour nous autres. De Lucie Deano, dans la composition musicale
de Corrado Margutti, que nous saluons, parce qu'il a pris nom Zanterehe, à vous laisser un chorale de Saint-Laurent, de Lucie Deano et Corrado Margutti, J'aime. In ogni canto l'abbinamento delle parole alla melodia e all'armonia è l'elemento essenziale del brano. Tuttavia, in alcuni brani più che in altri, l'effetto di quest'unione è particolarmente efficace. Io resto qui, addio, quattro parole. Tre per esprimere un'ineluttabile affermazione. Io resto qui. E una per l'estremo saluto, addio. Non esiste domani per tanti soldati italiani in ritirata dalla Russia, in quel tragico inizio 1943. Ma pure dopo quel drammatico inverno tornerà la primavera
anche in quel campo abbandonato, vicino al bosco di Betulle. Con questo brano noi questa sera accendiamo una simbolica candela in memoria dei ragazzi di Manchester che sono rimasti lì. A vous, Hideri Shan. À vous, Hideri Shan, la chorale de Saint-Or vous salue, vous remercie, vous oblige rendez-vous de Sandro dans la rue de Vella et souhaite un bon veillat encore à la chorale de Saint-Mohan que nous avons appris. Merci à tous.